Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est mardi 10 juillet 2018, au branché télévision nationale d'Haïti. Et c'est toujours un plaisir pour entrer la caillou pour nous présenter au journal mi-temps journée. Mais qui j'en condition en temps hier pour jeudi, c'est à collaborateur nous, William Polidor, n'a pas quitté suivre qui j'en sais. Cyclone Beryl qui transformé en onde tropicale et une puissante onde tropicale qui est très active. C'est pour ça que nous demandons aux populations de faire attention parce que l'onde tropicale est supposée traverser Haïti au cours de l'hiver jusqu'à demain matin et tout le pays a sous menace la pluie avec un gros coup de vent. Non, c'est ça, secrétariat permanent Cap Géorgis avec deux as, deux conseils avec UHM qui est unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Mandé avec tout le monde qui était dans la zone qui a eu éboulement, glissement de terrain, pour être veillatif par rapport avec gros la pluie avec vent et puis gros coup de l'orage qui prévoit sous pays au cours de fin après-midi, en soirée, au cours de nuit là, et éventuellement jusqu'à demain matin. Et la pluie ça arrive, je me dis, il prévoit sous tout pays. Pour capital avec zone qui a eu lieu encore, c'est un temps cap très instable avec la pluie et l'orage au cours de fin après-midi, en soirée et au cours de nuit là, et éventuellement jusqu'à demain matin, jeudi à soir, elle a couché à 7h30 et l'a levé demain matin à 6h19. J'ai envie de dire là, c'est cyclone Beryl qui transformé en onde tropicale et onde tropicale qui très active. Et je connais pas la retrouver lui sous Grandes Antilles, dans la zone Porto Rico. Il est supposé traverser le pays d'Haïti pour soirée jeudi et éventuellement jusqu'à demain matin, n'a bien on la mer qui est agité sur toute côte nous. Et c'est pour ça que nous capter nos précautions avec prudence sous pays. Et j'en ai dit là, nous avons soirée là qui couché jeudi à 7h30 et la levée demain matin à 6h19. Merci tout. Voilà, c'était Wilner Polidor pour conditions météorologiques là. Merci Wilner. L'autre information dans le journal ça, président Sénat République là, Joseph Lambert, encouragé population à retourner dans le calme li pour permettre l'activité économique de reprendre comme ça doit. Parlementaire a profité, mandé toute autorité dans la vie nationale là, travail dans tête ensemble avec population, yon façon pour la paix établie et puis éviter pays à connaître plus mauvais moments. N'invite au suivi un extrait dans le micro, Colo Elizer avec Moïse Wilwitch. T'as compté annoncé li sous mandat que conférence des présidents et ben moins dans clôture première session parlementaire là notait déjà anticipé que un ajustement ou bien une augmentation du prix de l'essence sur le marché national en dépit du fait que gagnait augmentation importante du prix de l'essence sur le marché international, nous te connaissons que le patabralé sans conséquence. Nous te même parlé même de, toujours par anticipation, parler de fureur populaire. Et tout compte fait, la mesure a été adoptée et conséquence yo, eh bien, yo incalculable. Je ne le dis, la mesure est rétractée. Il est du devoir de tout le monde qui au même t'a plaigné pour mesure ça et qui n'est pas d'accord avec mesure ça, et bien pour continuer à garder calme, yo, sérénité yo, et faire en sorte que la vie sociale, la vie politique, la vie économique capable de reprendre dans le pays. Un fait est certain, discussion et échange que nous avons gagné avec le président de la République. Là. Nous croyons que c'était fondamental pour que les trois pouvoirs, les représentants des trois pouvoirs, soient réunis et nous avons joué un accord président sur ça. Voilà, autant suivre l'intervention du président de la République, là, Joseph Lambert, qui a réagi sur la situation actuelle pays.
Quelques parlementaires qui ont réagi sur la conjoncture socio-politique actuelle PIA, surtout après la Grigandaï pendant le week-end, souhaitaient la population en reprendre calme, une façon pour le développement social continuer dans tout quartier en dans PIA. Parlementaires ont dit qu'il y a un chita palé qui a fait à toute autorité concernée pour prendre décision nécessaire dans l'intérêt de la nation et puis travail pour renforcer l'État et ses services. Nous invitons à suivre l'autre extrait dans le micro, Colo Elisa. Adopter position ça que y a pas qu'à augmenter gaz là parce que justement son produit transversal qui va agir sur tout le monde et déjà situation population pas bon et ça seulement moi quoi que le président aborde des questions de façon globale et ça seulement n'a ajouté n'a dit président pour n'a compte que il va le faire c'est que je dis pour qui ça nous dit que pas augmenter prix gaz là parce que noter qu'on est que les dérivés de problèmes structurels et ils sont gouttes d'eau qui t'a fait déborder vase là. Et comme de fait, nous, à partir de l'augmentation, population va la rue. Et je dis à, n'a simplement attiré attention que tout ça qui mène là, il y a des problèmes structurels qui va te résoudre. Et il faut nous pas dire que n'a changé monde sans ne pas adresser ces problèmes. Donc il y a des problèmes structurels, moi t'as aimé que opposer pour que nous résoudions et nous pas arriver dans cette situation ça. Faut nous prendre très au sérieux, c'est la sécurité. Sans me parler venir tuer droit peuple là droit que le gain pour les manifester et bien contactement mais tout gain droit l'autre tout pour jouer une sécurité. Il n'est pas possible que dans le 21e siècle que une manifestation a faite en dehors de Port-au-Prince et puis tout et bien ça aux victimes ça va avoir des gros conséquences dollar va monter nous allons vivre pauvres donc faut que nous réfléchissions à la sécurité pays hein, parce que pas de stabilité politique sans sécurité. Toujours dans le cadre de situation tension pays à connaître week-end passé à quelques parlementaires souhaitaient des mesures qui prennent au niveau l'État une façon pour garantir sécurité vie à bien population. Sénateur souhaitait tout le monde dans vie nationale là créer un climat la paix et sécurité pour faciliter tout travail reprendre et pour éviter plus misère dans pays à. N'invite au suivre un extrait. Président de la République là, les retourner sous décision, ça fait qu'on a calmé. Ça fait que la vie commence à reprendre, mais cependant, ce n'est que un calme et apparent. Et qui là, nous toujours une situation explosive. Et une situation, si nous ne prenons pas les mesures structurelles, qui a retourné vivre nous. Parce que la population a l'impression que pendant qu'il est la misère, maintenant il y a l'État qui vraiment cap fonctionner et l'abondance. Moi-même, moi, je crois que faut que les pouvoirs de l'État, particulièrement le pouvoir exécutif, le Parlement, ils ont réuni pour garder et les mesures économiques, la réduction du train de vie de l'État et fait population ouais, que nous solidaires avec et problèmes nio. Et à partir de ce moment, et moi je crois que et Marie Saint-U et qui méritait parce que le pays a une situation économique très difficile, étrangers à pas poté coller et taxes pas ramasser. Donc, gagner une situation de Marie Saint-U, même quoi la population veut que Marie Saint-U a, c'est tout le monde qui l'a donné. Toute destruction faite là, c'est la population encore pas le payer. Mais moi, je m'ai seulement dit, le problème non, résumé en seul bagage. Nous avons un problème de communication dans le pays. Parce que je crois que l'été de l'élection, tout le monde demande à la population, on a voté pour moi, on va le changer, l'autre des choses. C'est comme ça que tout le monde te dit. Il était tant tout pour être par la population, pour que la population t'a voté pour eux. Elle dit, je dis, si il y a des décisions qui prennent, prend. D'ailleurs, monter gaz là, c'est pour une décision anti-peuple, non? C'est formule qu'ils ont utilisée pour faire là. C'est façon de faire là. Ils n'ont pas informé la population assez. Ils n'ont pas sensibilisé la population assez. La population n'a pas compris. Parce que Haïti n'a pas fait gaz. Gaz a monté sur le marché international là, tout normal. Ici, nous ne pouvons pas produire rien pour gagner l'autre l'argent. Ça te a toujours arrivé, gaz à monter. Mais fok ou 10 populations, hein, mais ça a comme problème, mais une décision pour le prendre, accompagner et de nous comprendre. Ça qui passe là, et même penser que nous prenons un problème grave
dans le futur, parce que si nous n'avons pas une stabilité réelle ou stabilité que tout le monde a à l'aise là-dedans et que lui-même, lui mette prix à ou gens que l'eau monte, l'eau monte, l'eau descend, l'eau descend et que tout le monde a joué, on souffle là-dedans, ni dans le propane, ni dans le gaz, ni dans le diesel, ni dans le gaz. Et 95 ans, faut que vous souffle qui râle dans le bas SAO parce que ici, nous n'avons pas fait gaz. Nous n'avons pas fait gaz, mais nous avons peut-être une raffinerie par nous qui a peut-être venu descendre le gaz. Voilà, autant suivre l'explication différents parlementaires. Sous supervision magistrat Yuri Chevry, équipe voirie mairie Port-au-Prince, tant en série travail nettoyage et assainissement dans plusieurs quartiers dans la commune. Bourdon, Canapé Vert, c'est quelques quartiers côté équipe l'entend en série travail ça yo. Magistrat a tout profité occasion pour parler à la population, côté l'imande moun yo pour garder calme yo. Toujours dans sa gain pour nettoyage dans la Rio, mairie Delma Tanmen, journée lundi 9 juillet, travail nettoyage dans la commune là, qui subit en pile dommage dans le cadre de Zak Briganday qui fait pendant le week-end là. Travail nettoyage ça pour aider dans la circulation moun ak bien dans la commune là, d'après responsable. Nous invitons à suivre un reportage avec Falan Delphin. Pelle nan main, botte nan pied, casse nan tête. Employé mairie Delma yo mette en action pour nettoyer la rue, retirer sans caoutchouc sur route là, lever fatra yo ak pelle extravatrice et puis compressif pour faciliter circulation moun ak bien. Service pompier communal accompagne employé mairie Delma yo pour laver tout autoroute Delma. Travail ça l'a fait en bas pour voir maïssa ou son jeudi parce que c'est yon maïssa qui pas d'accord commune ni rite sale. Et depuis avant, elle a souffert pendant l'événement ça parce qu'elle a commis une charge avec Fatra, en pile immondice. Mais cependant, le matériel a dégagé le rôle qu'on a, il a mis flotte dans la rue. Et tout le matériel serait là, pompiers, et compressifs, camions bascules et tracteurs, juste pour nous capables d'assainir comme maintenant. Parce qu'on a une ville de Delma, pas obligé de sale dans l'Italie là. Et de toute façon, matin, ils choisissent de mettre l'équipe dans la rue juste pour nous capables de commencer à déconjonctionner l'espace pour nous capables d'évacuer l'occupation. Quelques personnes dans la commune d'Elma félicité le nettoyage là, cap aider à reprendre le travail normalement. Ils sont bon initiative liée parce que et alors, après tout le travail ça, qui est venu passer, puis l'encrasé, il y a un peu de poussière. Et on regarde bien, après tout le fait moto, ça pas de cache. C'est avec les bons étoiles marines. Et d'abord, bien que les fins nettoyées, retirées toutes les capaces de dégâts qui sont faites, et en plus, il y a des camions qui sont nettoyés, qui clean l'arrière pour éviter les poussières, pour éviter les maladies. C'est un bel travail qu'on a fait, mais apprécié quand même. Parce que son propreté, son lavage qu'on a fait, tout ça, ça qui est passé. Et bien, tout ça qui est fait là. Après, c'est tout. Moi, mon comportement fonctionne très bien. C'est pour Delma lui-même. Ce bagage, juste nous, mes pays, nous, pays avancé. N'a pas rappelé, commune d'Elma, c'est une diverses communes dans la région métropolitaine qui subit un pile dommage pendant le week-end qui se passait. Merci Falan Dak Michaud qui était présent pour Télévision nationale d'Haïti. Activité yo reprend timidement lundi 9 juillet dans plusieurs zones dans Port-au-Prince après mouvement tension et panique qui était déclenché depuis vendredi après-midi après annonce ajustement prix gaz là sur marché national là. Dans commune Carrefour, circulation machine là reprend petit pas, quelques monde dans population te prend haute activité yo. Circulation ça te rivé possible grâce à que j'ai fait nettoyage et déblayage route responsable mairie Carrefour a fait pour permettre activité reprendre normalement dans la commune. Yon extrait yon superviseur général Voirie Carrefour pour plus explication. Mairie Carrefour li toujours prêt lui-même qui gagne événement qui pas gagne événement pour travailler pour une bonne population un service qui pour satisfaire lui. Bon côté Carrefour on a très bien grâce à Dieu. Nous même nous fait effort hier soir nous même ensemble avec Maïsra nous sommes dans la rue à une heure dans matin. Ça veut dire nous-mêmes, nous décidons pour nous faire commune propre et pour nous capables de payer la population et capter les taxes, capter les impôts, satisfaction et tout profiter de Dimounio, tout et clients capter et taxes, impôts pour encourager à payer plus pour que nous-mêmes capter travail dans la rue pour être capables de payer nous à l'heure. Nous avons même trois équipes dans la rue là qui frappent. Et ceci depuis hier, on a frappé dans la rue là, juste pour nous satisfaire et Mounio qui a fréquenté la rue. Au niveau Carrefour,
circulation après prendre timidement parce que matin pas de toute activité ça yo c'est au fur et à mesure machine yo motocyclette yo y a reprendre activité normale yo. L'autre dossier dans le journal ça après deux jours campés à cause mouvement protestation yo activité reprend lundi 9 juillet dans aéroport international Toussaint Louverture depuis bonnet dans matin plusieurs voyageurs qui pas trivé voyager dans jour réservation yo étaient déjà sous place pour faciliter activité yo responsable aéroport à ligne aérienne yo t'ai pris une série disposition pour accompagner orienter et puis assurer sécurité passagers yo n'a noté principal ligne aérienne yo te gen vol lundi 9 juillet sous Haïti. Yo équipe télévision nationale d'Haïti visité plusieurs zones tant coup Pétionville, Delma, aéroport lundi 9 juillet 2018 là. Objectif viriron ça c'est pour constater dans qui niveau activité yo après prendre dans zone ça yo. Lunel Jean-Louis ak Edicineus a ban non plus détails. Activité commence à reprendre le 19 juillet dans diverses zones dans la capitale après mouvement protestation vendredi 6 à samedi 7 juillet passé contre décision pour ajuster prix produits pétroliers dans le pays. Pour gaz dans plusieurs communes parmi les Delma déjà recommencé à fonctionner, Timachanyo dans diverses zones reprend activité business. C'est même constat pour chauffeur taxi moto yo qui déjà reprend l'aria dans divers circuits dans la capitale. Constat pas différent pour Banque République d'Haïti BRH. Bien bonnet dans matin lundi 9 juillet, BRH relouvri pour faciliter transaction yo dans tout guichet yo. Service pompier et service voirie mairie Delma commencé nettoyer l'aria dans l'idée pour faciliter circulation dans commune nan. Merci Lunel ak Edi. Et bien voilà, amis téléspectateurs, nous te prend pile plaisir pour nous informer. C'est la journal la bout pour jodia. Merci pour fidélité ou ak attention. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.